Bonjour à tous et bienvenue pour le départ de ce Giro d'Italia en direct de, de Bologne. Premier prologue pour commencer ce Giro, 7 km dans les rues de, de Bologne. Pour le moment, c'est Brandon McNulty, le jeune Américain, qui est à égalité de temps avec Camille Maleki, le Polonais. Au niveau des départs, on a les leaders là, qui commencent à s'élancer. C'est parti pour Matteo Bianchi. L'arrivée de Sam Bennett, l'arrivée d'Alex Dowsett. Deuxième... Eh, ils sont trois pour le dans le même temps, donc on verra ensuite qui revêtira le, le premier maillot rose à l'arrivée. Ça peut être très serré. Fabio Arou, équipier de, de Tadej Pogacar et de Brandon McNulty aussi. Mais bon, Pogacar est quand même parmi les favoris. Il est un petit peu loin, Tadej Pogacar. Euh, plutôt Fabio Aru. Aber Asturi, qui en termine avec euh, 54 secondes de retard. Pour le moment, toujours les mêmes. Très bon temps également de Rui Costa, un peu étonnant de le voir ici. Miguel Flores, 1 1-0-8, de perdu. Jasper De Beist, 28 secondes de perdu. Sur Brandon McNulty. Il y a l'arrivée maintenant de Matteo Bianchi qui en termine le, le corps italien. 56 secondes de perdu sur McNulty. C'est voilà, les corps qui perdent du temps, c'est normal. Philippe vingt 29 secondes de perdu. Toujours McNulty. Maleki et Dawcett. Marc Solaire, 18 secondes de perdu pour euh, le leader de la Movistar. Dylan tuns. Et dans le même temps, lui aussi, ils sont 4 moment dans le même temps. On va attendre de, le podium hein, pour avoir le, le résultat final. Michael Matthews, 4 secondes de perdu. Il aurait pu réaliser un bon temps, Michael Matthews. Il est battu par McNulty, Tuns, Dowset et Maliki. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut venir mettre tout le monde d'accord Bétiol, 20 secondes de perdu pour le, pour le coureur de DF. On attend de nouveaux coureurs encore. Avec Oliver Nassen, lui ne sera pas dans les meilleurs. 55 secondes de perdu. Matteo Trentin, 7 secondes de perdu par, euh, par Trentin. On va continuer de toute façon avec les arrivées sur la ligne. d'Enex Tibar pour l'équipe Kofi 17 secondes de perdu. Allez, les leaders de la, pour la montagne, là, Bob Youngles, 2 secondes de perdu par Bob Youngles. Ce qui classe 5ème pour le moment du classement euh, général virtuel. Max Charman, et c'est un bon rouleur Charman. 8 secondes de perdu pour lui. Ouais, ce prologue-là qui livre quand même quelques surprises. Il va rester que quelques coureurs, un hein, seulement. Avec Adam Yates maintenant qui en termine. Avec 36 secondes de perdu. Hein. Les purs grimpeurs vraiment perdent du temps aujourd'hui. Et meilleur temps de Juan Denis qui met tout le monde d'accord. Euh, il a battu le temps de Mark Nulti, Juan Denis, Il reste encore euh, Thibaut Pinot qui arrive, le français. 31 secondes de perdu. Les purs grimpeurs perdent du temps. On pouvait le penser. Richard Carapaz lui aussi va perdre du temps. Le, le leader de la jumbo, 25 secondes de perdu par Carapaz. Il va nous rester. Tadej Pogachar, Lopez également. Qui en termine à l'instant, 27 secondes de perdu pour Miguel André Lopez. Et là il arrive très fort. Matt Pedersen qui en termine fort, 13 secondes. Ouais, non, Pedersen qui ne, qui ne pourra pas euh, chercher la victoire. Nils Polite, 7 secondes de perdu par Nils Polite, Et il va nous manquer le, le dernier, c'est Tadej Pogachar. Tadej Pogachar qui va en terminer de toutes ses forces. 28 secondes de perdu. Ça sera donc Juan Denis, sans surprise, le premier leader. Devant Brandon McNulty, ils étaient tous dans le même tonnerre. McNulty, Maleki, Dowsett et Tuns. C'est quand même incroyable, quatre coureurs ensuite dans le même temps. Et Juan Denis qui est donc premier maillot rose de ce Giro d'Italia, qui va être quand même incroyable, il y a d'énormes étapes à venir, dès demain déjà avec de la grosse surprise, McNulty portera le maillot cyclamen, euh, Maleki sera normalement en blanc, et UAE en tout cas meilleure équipe avec, de, avec McNulty qui a fait un bon temps, mais également Pogacar qui sera un des grandissimes favoris. Dès demain la deuxième étape entre Bologne et Osimo, une étape difficile avec un final pour Puncher, Troisième étape arrivée à Cagliari. Quatrième arrivée à Livorno avec une petite bosse dans le final, mais ça devrait être pour les sprinteurs. Arrivée à Matera pour la cinquième étape. Une arrivée pour puncher là, mais aussi pour grimpeur à Monte Cassino pour la sixième étape. La septième étape arrivée à Pescara. Une étape très vallonnée avec un puncher pourquoi pas. Huitième étape arrivée au Lago Laceno. Donc euh, là ça va, ça va piquer cette grosse ascension dans le final. Arrivée à Cavé des Terrini pour l'étape 9. La dixième étape à Peschici, une étape pour Puncher mais aussi pour Baroudeur. Étape 11 arrivée à Vagent, une étape pour, pour Grimper. Hein, sans doute les leaders devraient s'expliquer sur cette étape. L étape pour Sprinter à Trévise Également à euh, Rivarolo Canavese. L'étape numéro 14, un contre-la-montre individuel de 27 km entre Bazzano del Grappa et la Chima Grappa. Un contre-la-montre donc pour les pour leaders du général. 15 15e étape entre Mestre et le Mythique, Monte Zoncolan. On l'attend cette étape. 16 e étape entre Rovereta et Bormio. Une étape euh, terrible avec la double ascension du Stelvio. L'étape 17 entre Falsès et Cortina Dampeso. Beaucoup de difficultés dans cette étape. On peut avoir des attaques de loin et également beaucoup de surprises. L'étape 18 entre mélidé et Berbagna. Une étape pour les, pour les leaders sans doute du général avec une longue descente qui peut être très dangereuse dans le final. L'étape 19 entre trévise et l'Alpé dit Pampegano. Val mais une étape avec énormément de cols qui vont s'enchaîner. Et là, à coup on va être dans des euh, altitudes très élevées et on peut avoir des surprises. Et on terminera en beauté avec cette 20ème étape entre Saint-Vincent et Sestrière, l'arrivée à Sestrière, mais avec le terrible et mythique col del Finestré, ces derniers passages avec de la, de la terre. Et ça sera une arrivée entre Madonna del Kisalo. Et euh, Milan, donc euh, un final pour, pour sprinter sans doute à Milan où le général devrait déjà être fait. On va donc se retrouver très prochainement et ça sera dès demain pour la deuxième étape entre Bologne et Osimo. Et bienvenue dans les 25 derniers kilomètres, euh, enfin les 20 derniers kilomètres de cette, euh, de cette étape avec l'arrivée à Osimo. Pour le moment... On a plus personne à en échapper et un peloton emmené par, ben, par plusieurs équipes, tout simplement, avec notamment ces domaines Novak qui, ce, qui amène ce groupe. Ouais, domaine Novak qui amène ce groupe avec ben, un bon petit peloton, hein, tout simplement. Théo Moschetti aussi, il y a Ackerman, forcément là on va rouler pour le, pour le champion du monde, Alexei Lutsenko sans doute. Mais euh, devant on a d'autres coureurs qui y roulent et c'est euh, bah, l'équipe Bardiani tout simplement avec euh, Matteo Bianchi, Enrico Barbin qui amène ce peloton. Enrico Barbin hein, qui a l'air costaud, on a les, les accélérations avec Colbrelli, Ackerman, Jacobsen, Domain Novak qui est toujours présent. Il reste encore euh, 12 km avant cette, euh, cette arrivée du côté de... Du côté de Osimo. Accélération de Formolo maintenant. Ouais, Formolo, grosse accélération de l'italien. Elle va faire mal cette fin d'étape. Et David et Formolo qui a pris une, une bonne petite avance là quand même avec Mats Pedersen qui essaye de rentrer. On a Dylan Tuns aussi. Tuns est bien placé au général, hein. on le sait, qu'il est très très bien placé. Il peut aller chercher pourquoi pas, euh, pourquoi pas des places intéressantes. Et derrière c'est Carboni qui roule avec, euh, avec le petit. Euh, avec le petit Bianchi dans la roue. Est-ce que Matteo Bianchi va pouvoir venir chercher cette, euh, cette étape Ça serait incroyable. On va arriver très fort en tout cas au pied de l'ascension finale de Osimo. Formolo est repris. 77 coureurs dans ce peloton. Et euh, on va avoir bien sûr le, le final avec euh, l'explication et peut-être Juan Denis qui va perdre son maillot de leader. On y est toujours avec Matteo Bianchi dans la roue. Hein. Là, ça roule bien entre les deux coureurs de l'équipe Bardiani. Et on y est dans cette ascension. Oui, ça y est, on y est. 3,100 km 100 avec 6% de pente moyenne. Ça va se jouer entre les plus rapides aujourd'hui. Et Tunsky commence à accélérer. Ouais, Tunsky place son démarrage. Démarrage avec euh, derrière lui Marc Solaire. Ouais, là, c'est un final très intéressant qui est bien avec David et Formolo. Il y a Maximilian Charban et c'est Bianchi qui fait l'effort dans ce dernier kilomètre. Oh, il est parti loin, Matteo Bianchi. Il est parti très très loin, mais il est toujours en tête, le jeune italien. Matteo Bianchi toujours devant avec le retour de David et Formolo. Ouais, Formolo le plus fort aujourd'hui qui va venir s'imposer à moins qu'il y ait le retour de Thibaut Pinot. Formolo qui lève les bras et Formolo s'impose devant Thibaut Pinot. Et la troisième place pour Matteo Bianchi. Rigoberto Uran ensuite. Ouais, belle étape hein, de, de Formolo qui était déjà parti hein, dans l'ascension précédente avec euh, l'ascension de Ofanien. et c'est lui qui vient donc chercher cette euh, qui vient donc chercher cette victoire ici sur la deuxième étape du, du Giro. Belle victoire et c'est dommage hein, pour Matteo Bianchi qui a lancé son sprint un peu trop tôt avec euh, son coéquipier qui a fait un très très bon boulot, mais malheureusement pas de victoire pour cette équipe. Ça aurait été bon hein, d'avoir une équipe Conti euh, Pro s'imposer et les UAE derrière qui font un tir groupé avec Igita, Pogacar, McNulty, c'est bien sûr autour de tadei Pogacar, hein, c'est lui le leader de cette équipe, et donc David et Formolo qui remporte cette étape, Ouais, on va voir euh, le nouveau classement euh, général peut-être, est-ce que Tuns prend le maillot Non c'est toujours Juan dennis. pas de, de changement, Dylan Tuns c'est toujours deuxième. Aucun changement au niveau du général, David Formolo prend le maillot de meilleur grimpeur, effectivement, il a passé les deux dernières bosses en tête. Denis, nice, toujours avec ce maillot cyclamen qui sera porté par McNulty pour le coup, et Edouard Dunbar qui portera le maillot blanc, bien qu'il remonte un petit peu hein, du coup avec les bonifs qu'il a pris aujourd'hui. L'Italien qui est un sérieux candidat pour le maillot blanc lui aussi, il a dévoilé hein, que son objectif était quand même le classement général avec pourquoi pas une victoire d'étape. Il est déjà pas passé loin dès cette, première, euh, dès cette première étape en ligne. On le sait lui, les chronos, c'est pas son fort. La prochaine étape, ça sera entre Tortoli et Cagliari. Ça ne sera pas une étape proprement dit pour les, euh, les sprinteurs, euh, pour, les, pour les grimpeurs, on se retrouvera peut-être plus du côté euh, des sprinters, pour, euh, des grimpeurs, des, des leaders. Sur l'étape 6, avec l'arrivée à Monte Cassino, on se dit donc à très bientôt pour la suite de ce Giro d'Italia. Deuxième étape avec cette arrivée à Cagliari, le sprint qui se qui se prépare avec euh, l'équipe Quick Step, hein, bien évidemment pour euh, c'est sans doute pour Oleg ou pour non pour Gaviria, Fernando Gaviria bien évidemment qui sera amené par euh, par Hodge, donc il y aura un très très bon lancement, attention à Sam Bennett aussi du côté de du côté de la Trek, on va avoir un beau sprint, Sonny Colbrelli qui est bien placé mais euh, ça roule fort hein, devant avec les Astana qui sont en train de se replacer, ça c'est pour, euh, pour le petit Pascal Ackerman. Sam Bennett qui va être lancé par Matteo Moschetti, un lanceur royal, il aura également Pedersen qui sera là, Michael Matthews qui n'a pas trop d'équipiers, c'est bien parti pour Gaviria qui est amené quand même par Viviani et par Odeljeux Hey, Luchenko avec Ackermann, c'est très serré, ça se joue beaucoup de l'épaule. Ça se joue beaucoup de l'épaule tout ça. Allez, à voir ce que ça va donner avec Moschetti qui lance Bennett. Bennett très fort avec le retour de Philipsen. Mais Sam Bennett, l'Irlandais qui va venir chercher le succès devant Giacomo Zolo, Jasper Philipsen, Fernando Gaviria. Seulement 5ème à l'issue de, de cette étape. Étape intéressante hein, quand même à Cagliari. Mais c'est Sam Bennett qui s'impose. Ils, bon, ils ont tous des très bons trains. Hein. Vraiment, le train euh, Trek contre le train de Koenig, c'est excellent. Avec euh, bien sûr euh, d'un côté Viviani et Odieu, de l'autre Pedersen et Moschetti pour lancer respectivement euh, Gaviria et Bennett. Donc, euh, forcément, on va avoir de, de beaux sprints dans ce Giro avec également Pascal Ackerman, Michael Matthews. On verra un petit peu tout ça. Mais par contre, il a été déposé. Par Moschetti à la perfection, alors que derrière Gaviria met le temps à faire l'effort et du coup à remonter, c'est un peu compliqué pour, pour Gaviria. Mais euh, il passe au dernier moment, je crois. Viviani sur la ligne, puisque Viviani fait 6 et Gaviria fait 5. Ackerman un peu décevant hein, qui, fait, euh, qui fait seulement 7ème euh, aujourd'hui. Ackerman plutôt qui fait seulement 7ème et Nick qui vient chercher la deuxième place changement au général, bah il n'aura pas lieu, c'est toujours Juan Denis qui va conserver son maillot, David Formolo qui va rester en bleu, Sam Bennett qui va rester avec ce maillot, euh, qui va prendre le maillot par points plutôt, à Camille Maleki le maillot cyclamino, donc pour, euh, pour Sam Bennett, le maillot blanc sur les épaules de McNulty, et UAE qui conserve son statut de meilleure équipe à l'issue de, euh, de cette étape, la quatrième étape, ça sera là aussi sans doute pour les sprinteurs entre Quarto des Millets et Livorno, Donc une étape de 205 km avec une petite bosse à la fin, mais normalement les sprinteurs pourraient passer tout ça et s'imposer peut-être au sprint à nouveau dans cette quatrième étape. Et cette quatrième étape, donc avec l'arrivée au sprint à Libourne normalement, qui est prévu. Un peloton qui est quand même étiré. On peut perdre des unités à tout moment. Mais euh, c'est cette équipe euh, Astana qui fait l'effort. Et euh, vu qu'il y en a pas eu d'attaque dans cette bosse, ce sera pour Pascal Ackerman. Qui est là dans les premières positions du peloton. Il n'a rien à craindre Pascal Ackermann. Il va pouvoir peut-être venir chercher la victoire. Après, le problème, c'est qu'il n'a pas les lanceurs de Fernando Gaviria. Gaviria qui est ici mais qui n'a pas ses lanceurs avec lui, on n'a pas également de, eh bien, je... où est-il d'ailleurs, où est-il le... le vainqueur d'hier, Sam Bennett, Et non là c'est Dunbar, est-ce que Bennett est dans les premières positions, je ne l'aperçois pas, Sam Bennett il est là bien placé avec Bokemo les mains, ça va le faire hein, sans doute là, pour, pour Sam Bennett encore, il va pouvoir peut-être venir chercher un nouveau succès. Ça serait quand même fou que Bennett vienne chercher une deuxième victoire. En tout cas, on a euh, l'ami TJ Van Garderen. Qui amène ce groupe avec Molema maintenant, Ackermann Ackerman. Wackerman, attention, on est au ralenti, on a 1,500 km. Et c'est Molema qui tente le coup au kilomètre. Matthews qui est parti très fort. Matthews très fort avec le retour de Sam Bennett. Sam Bennett ou Ackerman. Mais Matthews qui était bien parti. Et ça va être une deuxième victoire consécutive pour Sam Bennett devant Matthews, Ackerman, Nizzolo Philipsen, Debuist. Nassen. Ouais. Et Nassun, je m'attendais pas à le voir la reste très Et Gaviria seulement 9ème de cette étape. Ouais, il a perdu un peu. L'ami euh... l'ami euh... Gaviria aujourd'hui n'a pas réussi. Alors que là, il y a un gros groupe qui arrive. Il n'y avait pas Juan Denis. Normalement, dans ce groupe, Juan Denis était dans le, bon... dans le premier groupe, euh, si... si tout va bien. Mais il va y avoir des pertes de temps à l'issue de cette quatrième étape, et euh, potentiellement un classement général modifié. Mais je pense que Rowan Dennis était quand même dans le premier groupe, donc euh, il ne devrait pas perdre, euh, pas perdre de temps. En tout cas, victoire de Sam Bennett à nouveau, qui remonte sur le podium, après sa, sa précédente victoire. Bien joué. Et Matthews, du coup. Eh oui, il a perdu du temps, le petit... Euh, le petit rouen Denis nice et c'est Michael Matthews qui prend le maillot rose. Bravo, ouais Michael Matthews aujourd'hui qui a anticipé. Hein, il a vu que le sprint n'était pas lancé, il est peut-être un peu moins rapide. Il a tenté d'anticiper et du coup euh, et du coup il remporte, euh, il prend plutôt les rênes au niveau du maillot euh, du maillot rose. Formolo qui conserve le maillot de la montagne. Bennett toujours avec le cyclamen, forcément avec sa victoire du jour. Et Edouard Dunbar avec le blanc à l'issue de cette étape. Ouais, on va avoir du, du petit changement au niveau du classement général. On a un petit groupe du coup qui doit en terminer. On n'a pas vu ça. Effectivement, après, on a un groupe à 1-20 avec... Euh, il ouais, y a que 73 coureurs qui terminent dans le, dans le premier groupe. Et donc, euh, au niveau du général, ça replace certains coureurs. Avec euh, Nibali qui a perdu du temps, qui a eu une 55. On a Crash qui a dû perdre un peu peut-être. Il y, a des, il y a du changement au niveau des maillots. Dunbar, du coup, qui prend le maillot blanc. Et McNulty, lui, qui perd du temps. Il perd une 0 aujourd'hui, McNulty. Et euh, la prochaine étape, ça sera encore une fois pour les sprinteurs du côté de Matera pour cette cinquième étape du Giro. Pour cette étape avec l'arrivée du côté de Matera, une étape typique là pour euh, pour puncher avec énormément de chutes, ça tombe à nouveau. Et il y a plus grand monde dans ce dans ce peloton et il compte une soixantaine de coureurs, ils sont 68 à l'avant. On a toujours Ben Gastower et Lastra, mais ça va se faire reprendre hein, sans doute. Est-ce que ça va rouler pour Sam Bennett quand même dans cette étape qui est qui est supposée bien difficile, une arrivée à Matera qui est loin d'être jouée. Et il peut s'en passer des choses, il peut s'en passer, même si voilà, le peloton est quand même bien groupé, on retrouve des, pas mal de, pas mal de coureurs. Pour le moment, ça reste, ça reste calme avec aucune attaque, hein, parmi les, parmi les principaux favoris. Bokemo Lema, lui, qui reste placé. Et c'est Carboni qui est en train de, d'accélérer. Pour qui il accélère, la Carboni? Euh, on a Bianchi, on a Intiri, on a Barbine, hein, peut-être, qui va pouvoir tenter sa, sa chance. Enrico Barbine. Ça serait quand même beau de voir ça. Enrico Barbine tenter, pourquoi pas, d'aller décrocher une victoire. On pense également à Bianchi l'autre jour. Qui est venu chercher. Euh, qui est venu chercher une belle place. De, de Daniel Martinez. Boke qui va tenter de suivre tout ça. Matteo Bianchi également qui est bien placé. Eh, L'italien qui est bien là. L'italien qui est bien et qui contre et qui va sortir avec euh, Dunbar. Eh, il est sorti tout seul là. L'italien. Avec euh, dans sa roue euh, Jasper Steuven. Il reste encore euh, 3 km dans cette étape. Ah, je pense que c'était un peu tard. Hein, parce que là, il y a Gaviria qui est bien placé. Avec euh, Jasper Steuven. Ça m'a l'air quand même compliqué. Mais il y a un petit groupe qui est sorti avec Michael Matthews là aussi. Et Bianchi, il a pris les bonnes roues. Il a pris les bonnes roues dans ce groupe Maillot Rose. Avec Matthews qui peut être le plus fort peut-être dans cette arrivée. Très punchy. Michael Matthews est-ce qu'il va venir s'imposer On est sur la ligne d'arrivée. Matthews qui est devant avec Philipsen et c'est Jasper Philipsen qui s'impose devant Michael Matthews. Et Oliver Nassen, Restrepo, Gaviria encore une fois euh, battu malheureusement. Fernando Gaviria, il n'était pas parmi les meilleurs. Carapaz qui est venu faire le sprint pour la sixième place, là aussi avec Thibaut euh, Pino. Il n'y aura pas de temps a priori entre les, les principaux favoris. Matteo Bianchi qui termine en ce groupe lui qui a tenté sa chance aujourd'hui. Il ne sera pas... Euh... Il ne sera pas victorieux de cette, euh, de cette étape, il est beaucoup remuant, mais pour le moment, il n'a pas, euh, pas réussi à faire la différence. On va revoir ce sprint avec le maillot Ross Matthews qui a tout donné aujourd'hui. Mais Jasper Philipsen, avec sa puissance, le Belge, qui est venu le, le déborder là dans les derniers mètres, et le passer sur la ligne. Oliver Nassen, qui a fait un excellent sprint aussi. Hein, le, le coureur de d'AG2R, il vient faire troisième Oliver aujourd'hui. Matthews toujours en rose, le général qui n'évolue pas. Formolo qui conserve son maillot de la montagne devant Jonathan Lastra. Matthews qui prend le maillot cyclamène à Sam Bennett. Sam Bennett le portera par procuration. Et Edouard Dunbar qui reste maillot blanc avant la prochaine étape. Qui sera, qui sera sans doute décisive et importante quand on voit ce qui, ce qui nous attend et ce qui attend les coureurs. Ce sera Monte Cassino, ce sera un final très difficile. Et également l'étape 7 avec cette arrivée à, à Pescara. On attend, on attend du lourd dans cette, dans cette prochaine étape et on espère se, se régaler. Sixième étape avec l'arrivée terrible à Monte Cassino, une ascension de, de 8 km hein, à 8% maximum, 5,4 de pourcentage moyen. Donc c'est pas non plus le plus difficile qu'on va retrouver sur ce, sur ce Giro d'Italia. Même si, même si, même si ça va quand même, bah ça va quand même être drôle, je pense, entre les, les favoris, on va avoir une belle explication. Et euh, les Astana qui roulent, hein, Formolo peut-être, Formolo peut-être aujourd'hui qui va tenter qui va tenter son coup. On va regarder ça. On va regarder ça. En tout cas, ça remonte également. Et c'est cette équipe, Bardiani, CSF, qui place visiblement ses forces. Avec euh, Matteo Bianchi, le jeune coureur de cette formation. Sixième du maillot blanc, 25 ème du général. À une minute de Michael Matthews, qui normalement, hein, si tout va bien, devrait perdre son maillot à l'issue de cette étape. Allez, encore 3,500 km avant d'être au pied de l'ascension de Monte Cassino. Ça va, être, euh, ça va être sympa. Ça va être sympa cette ascension. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, on a vraiment hâte de voir ce que ça peut donner avec euh, toujours, euh, toujours Enrico Barbine qui, qui roule et qui amène ce, qui amène ce peloton. Enrico Barbin, on a Carboni, Terry, Bianchi. Allez, on est parti donc pour cette, pour cette terrible ascension du Monte Cassino. Et c'est Enrico Barbin qui roule. Derbridge, Garcia Cortina, Domen Novak, Sonic Colbrelli, peut-être, qui sont les hommes aussi qui vont tenter leur coup aujourd'hui. Là il faut, il faut hein. Là, il faut rouler fort. Colbrelli qui est bien placé, David et Formolo qui s'est replacé. Il s'est bien remis, hein, là, David et Formolo. Avec euh, l'équipe Bardiani qui fait, cette, euh, qui fait cet effort maintenant. Ouais, l'équipe Bardiani très solide. Hein, très solide pour le moment autour de leur, euh, de leur leader Matteo Bianchi. Et Formolo qui tente sa chance. Il est très fort, David et Formolo, depuis le début de ce Giro. Suivi par Tuns en plus. Ouais, Tuns euh, très solide. Dylan qui est, qui est très très fort là depuis le début là aussi de ce Giro, il va faire il va faire mal. Dylan Tons, Carboni qui s'est écarté, on a le champion du monde, Alexei Lutsenko qui est encore là, ouais, Alexei Lutsenko qui fait mal. On a Charman, Formolo, Tuns devant et Guillaume Martin. Au niveau des favoris, Thibaut Pinot bien sûr est, est toujours présent. Et est-ce que c'est le jour de gloire là pour Matteo Bianchi? On va regarder ce final. Bianchi qui est bien. Ouais, Bianchi qui est très bien. Bianchi qui est très bien. Et il va aller chercher le succès. Matteo Bianchi. Première victoire pour ce coureur sur un grand tour. Et c'est sur le Giro qui vient la chercher. Avec une superbe arrivée en Monte Cassino. Et quel travail de son équipe. Alexey Lutsenko prend la deuxième place. Dylan Tuns la troisième place. Et Dylan Tuns devrait récupérer le maillot de leader. Ouais, C'était pas non plus impressionnant cette ascension de Monte Cassino. On n'avait euh, pas énormément de pourcentage, mais ça a roulé fort avec plusieurs équipes. Les attaques de Tuns et de Formolo qui ont été contrôlées par cette équipe Bardiani CSF et Matteo Bianchi. On va revoir hein, sa victoire. Ouais, il, est, il est bien sorti là dans le dernier kilomètre. Il avait de la puissance et Luchenko n'a pas pu revenir. Bianchi remporte donc ce succès sur le Giro d'Italia à Monte Cassino sur cette, euh, sur cette sixième étape. Qui était quand même magnifique. Bravo, bravo, bravo. Et en plus, c'est une victoire pour une, pour une petite équipe Bardiani. Une équipe invitée. Et c'est mérité. Dylan Tens donc qui prend le maillot de, du leader du classement général. Maillot rose pour lui. Devant Peyo, Bilbao, son équipier. Et Pokémon Lema, le coureur de l'équipe Trek. Euh, Guillaume Martin. 7 Septième hein, le coureur français. On l'attendait pas spécialement à ce niveau-là, Guillaume Martin, mais il est septième pour le moment du général. Le maillot bleu. Le maillot bleu, le maillot azuro pour David et Formolo, l'Italien. Les Italiens qui brillent pour le moment dans ce début de, de Giro. Michael Matthews toujours avec le maillot cyclamen. Edouard Dunbar en blanc, mais remonté de Matteo Bianchi au classement, euh, au classement maillot blanc et peut-être au classement général aussi. Il faudrait surveiller ce courant. Hein. Il avait annoncé une victoire d'étape. C'était son objectif. Et ben, dès la sixième étape, il obtient cet objectif. Et euh, l'avenir là va être intéressant avec notamment les, les prochaines étapes hein, qui vont être à, à surveiller. Victoire pour Bianchi à l'issue de cette étape. Euh, les leaders, les principaux leaders. On a donc Simon Yetz, lui, qui est 8 au classement général. Mieux que son frère. Tadej Pogacar, 14e. On retrouve Carapaz, qui est euh, 12e. Pino qui est 11e on retrouve également Adamietz à la 18e place Matteo Bianchi qui remonte à la 20e place Mikel Landa qui est juste derrière Bianchi Martinez les leaders se tiennent pour le moment avant les grosses explications et ça sera notamment sur la 8 étape qu'on aura une nouvelle explication à Lago Lanseno pour le moment c'est l'étape de Pescara qui nous attend une étape courte, même pas 160 km, mais euh, une, une opportunité pour pas mal de coureurs d'aller chercher une victoire d'étape. Cette étape qui explose de partout pour cette arrivée à Peshkara, il va rester le San Silvestro qui sera la dernière ascension du jour. Mais pour le moment, on retrouve deux hommes en tête, Carboni et Van Hook. C'est donc, euh, bah donc tout simplement le, le groupe qui a décidé de, de prendre les devants. Ils sont deux. Et euh, bah pour le moment, ça se passe bien pour ces deux coureurs. L'ascension du San Silvestro qui va pas tarder à débuter, C'est pas si technique que ça. Hein. Le, le San Silvestro, ça devrait pouvoir, euh, pouvoir tenir hein, pour, les, pour les hommes de tête qui ont quand même une 33 d'avance. Une 33 d'avance, pour le moment ça se passe bien pour eux. Et on attaque donc ce saint virgule 1,7 km, 8,4% de pente euh, moyenne. C'est difficile, mais, euh, mais voilà, on reste tranquille. On retrouve euh, les principaux leaders, en tout cas aux avant-postes. Aucun euh, leader du, du général, aucun membre des, des 10 premiers, en tout cas, distancé. Edward Tuns, euh, Dylan Tunze, qui s'est replacé le, le leader avec son maillot rouge, maillot rose sur le dos. Et il attaque Dylan Tuns. Ouais, Tuns qui part à l'offensive. Attention, attention. Tuns et Formolo qui partent à l'offensive avec également Michael Matthews. Et Matteo Bianchi derrière qui fait l'effort. Est-ce que devant on a envie de, de revenir sur les hommes de tête C'est possible hein, qu'on ait cet objectif est-ce qu'on les voit en visu, euh, visu d'hélicoptère au moins ouais, Ils sont loin là-bas quand même, hein, mais c'est pas encore fait. Et attention aux accélérations, cette descente qui fait mal quand même. On aperçoit euh, ouais, la grosse grosse descente Matteo Bianchi là qui fait l'effort pour entrer, Et c'est Tuns devant qui est très solide. Etons très solide et il y a un petit groupe là qui est, euh, qui est sorti. Bon, ça sera la victoire pour un des deux. Ça se regarde quand même entre Carbonier et Van Hoek. Et il y en a ce groupe qui est en train de rentrer mais ça a totalement pété dans la descente avec Rigoberto Uran qui essaye de faire l'effort. Ah, il reste plus beaucoup, il reste un kilomètre 800 là dans cette, euh, dans cette étape. Il reste plus beaucoup et ça revient, ça revient sur les hommes de tête avec Michael Matthews qui va peut-être aller se la chercher cette victoire. Michael Matthews qui revient, Michael Matthews ou Carboni Est-ce que Carboni, oui, Carboni va se repasser sur... Non, Carboni qui résiste et qui s'impose. Incroyable. Victoire de Giovanni Carboni pour cette équipe Bardiani qui fait un début de Giro incroyable. Victoire hier de Matteo Bianchi qui fait sixième aujourd'hui et qui va, je pense, récupérer du temps au général avec sa, sa descente stratosphérique. Et aujourd'hui Giovanni Carboni qui résiste au retour de Michael Matthews dans les derniers mètres. Euh, ils sont regardés. Hein, il n'a il a pas eu peur Giovanni Carboni mais il vient remporter cette, cette étape. Bravo, hein, bravo à lui parce que... Incroyable cette victoire d'étape. Et après, tout le monde a l'air d'être classé dans le même temps derrière. Donc il n'y aura pas de, de changement au niveau du classement général. Mais il savoure Giovanni Carboni, puisqu'il remporte, lui, son succès. Deux victoires pour cette équipe Bardiani en deux jours. Incroyable. Équipe invitée qui, qui fait des miracles. Le général qui ne change pas. Dylan Tons, qui a qui a montré qu'il était le patron du Giro pour le moment. Après... Sur la prochaine étape, il risque quand même de, de perdre peut-être un peu de temps, hein, parce qu'elle est difficile, la prochaine étape. Mais pour le moment, Dylan Tuns est le patron de ce Giro, devant Peyo Bilbao et Bokemolema. Giovanni Carboni prend le maillot. Azuro, le maillot de meilleur grimpeur avec cette étape. Euh, Michael Matthews qui conserve le maillot. Euh, Cyclamen, mais toujours pas de victoire pour Michael qui passe à chaque fois juste à côté. Sur la ligne, ça se joue à rien. Mais Michael Matthews toujours pas de succès d'étape. Il a porté le maillot rose. Il est maillot cyclamen, mais pas de victoire pour lui. Peut-être, euh, bah peut-être dans la deuxième partie de ce, de ce Giro. Edward Dunbar, lui par contre, qui conserve le maillot blanc, le d'ineos et Mitchelton Scott qui reste meilleure équipe sur ce Giro. Eh C'était une grosse étape, hein. on a eu, on a eu euh, de belles choses dans le final avec des attaques, mais pas de temps finalement entre les leaders. Et Giovanni Carboni qui résiste jusque dans les derniers mètres, bien joué à lui, on aura encore de grosses étapes et dès demain avec cette arrivée au lago euh, Lacceno, une étape pour, euh, pour Grimper, hein. l'explication entre les leaders qui est prévue. Donc on se retrouve très prochainement pour la suite de ce Giro d'Italia.